Coucou, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur le lait végétal. Alors on est bien d'accord, l'alimentation anti-acné, c'est une alimentation où on essaye de limiter, voire d'éliminer l'ensemble des produits laitiers, de vache, surtout de vache. Alors évidemment, pour le petit déjeuner, il est utile d'avoir quelque chose qui puisse remplacer le lait de vache. Et c'est là où je trouve qu'un lait végétal s'apprécie particulièrement, surtout que le lait végétal en question, il peut être utilisé pour le petit déjeuner, le boire tel quel, mais il peut être utilisé dans n'importe quelle recette de cuisine où il va remplacer le lait de vache. Maintenant, le lait végétal, vous le savez peut-être comme moi, ça coûte cher, ça peut coûter cher si vous les achetez en briques au niveau du supermarché, surtout si vous le prenez en qualité bio. Alors, l'astuce d'aujourd'hui, ce que je voudrais vous faire voir, c'est qu'on peut fabriquer soi-même un lait végétal très facilement. Moi, pour cela, j'utilise quelque chose qui s'appelle le Chou Famix et je voulais vous faire une petite démonstration pour vous faire voir une recette que je fais régulièrement pour mon petit déjeuner. Alors, de quoi vous avez besoin pour cette recette? De très peu de choses. La première chose, c'est un Chou Famix. Le Chou Famix, moi je trouve ça super pratique parce que vous avez déjà un tamis qui est inclus dedans, ce qui fait que normalement si vous vous débrouillez sans Chou Famix, c'est possible, mais vous allez avoir besoin d'un tamis très serré, donc le Chou Famix, je trouve, est très pratique pour ça parce que tout est déjà inclus. Donc un Chou Famix qui se présente comme ça, vous allez voir comment on l'utilise, c'est très simple. De l'eau, un petit peu de sel, parce que j'aime bien rajouter un peu de sel, du sirop d'agave à la fin parce que vous allez sucrer, éventuellement un extrait de vanille, moi j'aime bien le petit goût de vanille dans mon lait végétal, et puis ce dont vous avez besoin pour faire le lait végétal lui-même, c'est-à-dire l'ingrédient de base. Alors le lait végétal, on peut en faire avec plein de choses. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un lait végétal où je vais mélanger des noix de cajou et tout simplement des flocons d'avoine. Comme ça, ça ne coûtera vraiment pas très cher et vous allez avoir l'onctuosité de la noix de cajou. C'est très onctueux, c'est bon, c'est délicieux. Et l'avoine qui, elle, est très satisfaisante et donne, rassasie bien et très agréable et pas cher du tout. Alors, comment on procède? Tout simplement, on va mettre notre noix de cajou à l'intérieur de notre Chou Famix. Alors, il est toujours mieux d'utiliser des noix de cajou quand c'est possible, qui ont été trempées la veille. C'est bien meilleur pour la digestion. Ça enlève aussi un certain nombre d'ingrédients qui ne sont pas très, très agréables pour notre santé, qui ne sont pas bénéfiques pour notre santé. Donc, il est toujours mieux de faire pré-tremper les graines quand on utilise des graines pour faire un lait végétal. Donc, voilà, mes noix de cajou sont à l'intérieur. Je vais rajouter tout simplement mes flocons d'avoine. Alors, vous allez me dire, mais au niveau des proportions? Alors, les proportions en lait végétal, vous allez trouver des recettes diverses et variées. Mon expérience, c'est que quand même, plus on met d'avoine et plus on met de lait de cajou, plus la proportion est haute par rapport à l'eau qu'on va utiliser et meilleur c'est. Donc, c'est à vous de voir. Ici, j'utilise à peu près 75 g d'avoine et j'ai utilisé 50 g de noix de cajou. Donc, au total, on a, je vous disais, c'est approximatique, mais là on a à peu près 145 grammes, 150 grammes de matière première. Tout dépend de ce qu'on veut faire, donc entre 100 et 150 grammes de matière première pour pouvoir faire un demi-litre de lait végétal. Donc il faut que je rajoute mon eau. Donc au niveau de l'eau, je vais utiliser 500 ml d'eau pour faire mon demi-litre de lait végétal. Donc là, il s'agit quand même d'un lait végétal qui va être extrêmement concentré. Moi, je l'aime comme ça, hein. Je suis une petite gourmande et j'aime bien quand mon lait végétal est très riche et très concentré. Je trouve ça meilleur. Et il y a moins besoin de sucré quand on fait ça. Et l'autre chose dont vous allez avoir besoin, eh bien, c'est d'un broyeur comme ça. Tout simplement, vous savez, ces broyeurs qu'on utilise pour faire de la soupe. Donc, je vais utiliser un broyeur pour broyer à la fois mes noix de cajou et mes flocons d'avoine. Voilà, donc j'ai pulsé l'ensemble de la matière et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais tout simplement retirer la matière qui est maintenant restée dans un tamis, comme ça. Je vais laisser s'égoutter mon lait végétal.
Et à la fin, je vais utiliser ce pilon qui est inclus dans le chauffe-à-mix et qui nous permet de presser l'ensemble de la matière pour avoir l'ensemble des bonnes choses qui sont à l'intérieur. Ça se fait en autopilote une fois qu'on est habitué au système. On le fait en autopilote et on devient très inventif. C'est vraiment une des beautés du chauffe-à-mix. C'est qu'on commence à inventer des recettes soi-même à partir de tout ce qu'on a sur la main. Donc ça peut être des graines de tournesol, ça peut être du quinoa. Vous pouvez faire des tas de choses extraordinaires et pas chères du tout au niveau des laits végétaux. Et ça peut être absolument délicieux. Je vous encourage à essayer vos propres recettes. Je vais en livrer bien sûr dans l'article du blog où se trouvera cette vidéo. Voilà. Donc votre lait végétal est pratiquement fini. Il vous reste uniquement à l'agrémenter à votre goût, c'est-à-dire à le sucrer légèrement parce que ça demande généralement quand même un petit peu de goût sucré. Donc par exemple, moi je vais utiliser un tout petit peu de sucre d'avoine, de sirop d'agave, pardon. C'est une des façons. Alors, j'aime bien personnellement rajouter un tout petit peu de sel. Je trouve que ça ajoute quelque chose d'avoir un tout petit peu de sel. Voilà. Et dans mon cas, la touche, c'est l'extrait de vanille. Quelques gouttes d'extrait de vanille. Voilà. Je mélange le tout. Et j'ai à ma disposition un excellent lait végétal que je vais pouvoir utiliser pour toutes mes recettes sucrées, mais utiliser pour mon petit déjeuner, boire tel quel, etc. etc. Et l'avantage, c'est que c'est pas cher du tout et que je peux le garder dans un coin du frigo. Ça m'attend, c'est délicieux. Je le garde comme ça 2 jours maximum dans le frigo. Je vais m'en mettre partout.